bien. Nous sommes en route pour Château-Landon, petite commune d'Île-de-France, parce que Château-Landon a sa fête de l'âne. Et alors, comment se fait-il que nous allons à cette fête de l'âne qui n'est pas du tout à côté de chez nous? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a peu de temps, sur Instagram, il y a une de nos fans qui nous a posté un dessin qu'on a trouvé absolument génial. Il nous représente trop bien, je vous le mets quelque part par ici. Il est beau comme tout, il nous représente trop bien. On l'a vraiment adoré, tellement qu'en fait on lui a demandé si elle voulait bien nous l'envoyer pour qu'on puisse l'encadrer chez nous. Parce qu'elle a gentiment accepté, donc elle nous a envoyé son dessin qu'on adore. Et dedans, il y avait aussi une petite lettre qui nous demandait si, par hasard, on ne voudrait pas aller la retrouver à la fête de l'âne de Château-Landon et passer l'après-midi avec elle. Castagnette, on s'est dit, on y va. C'est trop gentil, c'est trop mignon. Il faut qu'on aille la rencontrer et qu'on aille à cette fête de l'âne. Qui n'est pas si loin non plus, donc non, on peut se permettre. 2 heures de route. On est parti tôt ce matin, on a été nourrir et puis on a pris la voiture. Et là, on est en route, on arrive bientôt. Oui, tout à fait. Donc on est très très contentes. Plus ça va, plus on rencontre des fans en ce moment, c'est oui, trop bien. C'est clair. Eh bien, allons découvrir cette fête de l'âne dont on ne sait rien du tout. Donc voilà, ça va vraiment être un vlog découverte. C'est ça. Ouais, c'est pas comme au marais qu'on connaissait là, c'est. On part à l'aventure. A tout à l'heure pour de nouvelles nouvelles. Tout à l'heure. Bisous. Et les petits ânes. Ah, c'est peut-être le défilé. Oh bébé. Oh, accroche-toi. Oh la maman. Oh non. Tu vas pleurer. Oh non, bah, j'ai pas envie. Oh mon bébé d'amour. Ça va aller. T'en auras une un jour. La même. Oh là là, une mulpi quoi, bonjour. Coucou. Recoucou. Alors on est bien arrivé à la fête de l'âne de Château-Landon. On a commencé par notre activité première dans toutes les fêtes de l'âne qu'on fait de l'année, c'est faire pipi. Faire pipi. Voilà. On commence toujours par faire pipi. Et là on est sorti des toilettes et oh, regardez qui était là. Salut. Voilà, c'est Marine et Selma. Venez avec nous. Voilà donc Marine qui nous a fait le superbe dessin sur Instagram et qui nous a invité à cette fête de l'âne, et Selma, sa meilleure amie. Donc on a fait un premier petit tour et puis là je pense qu'on va, pique-niquer et puis continuer notre petite visite. Mm-hmm. Enfin voilà, on attaque cette fête de l'âne. Et bien à plus tard. A tout à l'heure. Bisous. Vient nous offrir Marine. Il est trop beau. C'est un petit cahier, un petit album, je sais pas, un petit album photo, un petit carnet de notes. On verra, on va choisir à quoi ça va nous servir. Ce qu'on va noter dedans. Ça met jusqu'au moindre détail quoi. C'est trop chou. Montre bien la couverture avec des photos géniales, photos de profil et une photo de nous. Oh mais il est trop beau. Je suis trop fan. Crabbe. On va lui trouver une super utilité. Ouais. Merci Marine. Non, il est trop mignon. Professionnellement, entre guillemets. Et si vous voulez, je vous
C'est marrant, le monde d'Azin est petit en fait, parce que tous les partants en fait on les retrouve d'un concours à l'autre, d'une fête à l'autre, d'une manifestation à l'autre. C'est rigolo. Il a fait super beau, il a fait super chaud. Il y a un temps de fou. Marine nous a offert un petit cadeau absolument, mais il a tombé par terre, il est trop beau. Et on a trouvé à quoi il allait nous servir. J'ai trouvé à quoi il allait nous servir. Très bonne idée. En fait, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois qu'on rencontrera l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, quand on rencontrera vous, les fans, les gens qui nous suivaient, on imprimera une photo, on la mettra dans ce carnet-là et on vous fera signer après ou avant avec la date, le lieu, etc. pour garder un souvenir de toutes les rencontres qu'on aurait eues. Un petit livre d'or en fait. Voilà, le livre d'or de nos rencontres avec nos fans. Et alors là, figurez-vous que, en fait, on est invité à dîner par les parents donc, de Marine qui nous ont dit bah, restez, vous avez fait de la route, venez dîner à la maison. Donc c'est vraiment trop trop gentil. Donc petit barbecue chez eux. Voilà. Grand merci. On sait d'avance qu'on va passer une bonne soirée. C'est on clair, peut c'est déjà clair. Vous remercier. Et puis Marine nous a proposé de nous emmener. Elle habite un petit village médiéval. Oui. Donc elle va nous emmener visiter. Je pense que ça va être très 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 joli. Donc à plus tard. À tout à l'heure. Alors l'heure est grave puisque Marine a des petites jelly belly et du coup on va faire un petit challenge, on va manger des voilà. On est un peu fatigués donc on a des idées un peu bizarres et voilà, un peu sadomaso. On voulait partager ça avec vous parce que je pense que ça va être un grand moment. Alors Victoire au hasard a pioché la couleur orange, donc c'est soit pêche, soit vomi. Allez, faut pas la fessier. 1, 2, 3. C'est vraiment pas bon. Ah, on a fait un combo en plus, les trois. C'est pas bon, c'est super pas bon. Ah, ça me dégoûte. Voilà, ouais. Ah, je peux pas. Noir ? Non ? Oh non ! Oh non ! C'est chocolat ou pâté pour chien ? Ouais, j'y vais. Ah non, allez. J'ai eu. Ah merde ! Ok, vraiment dégueulasse. Non, mais si. Mais c'est jamais chocolat en fait. Mais complètement en fait, on a été des mauvais en fait. C'est ça. Et le mien, il n'y a plus la mort, le mien aussi. C'est dégueulasse. Mais j'arrive pas à savoir, attends. Mets tout. Si t'arrives pas à savoir, c'est que c'est pas c'est chocolat parce que là, c'est vraiment dégueulasse. Mets tout, franchement. Non, c'est bon ce chocolat. Ah ouais? Sérieusement? Oh non, moi je peux pas, j'ai trop peur. Ah bah ouais. Ou alors j'aime la pâte et caca. Soit c'est lingette pour bébé, soit c'est. Ah, lingette pour bébé. C'est notre coco. C'était quoi? Oh, c'est bon. Ça va. Kyo. Ah, bah si, ça va, tenez. Allez-y, 1, 2, 3. On croque, hein. Notre coco. Ah. Ah, c'est bon. Notre coco. Maintenant, c'est pas notre coco. Ça passe. Ah. Tu pourrais bouffer du parfum. Non, c'est ça. Ah ouais. Non, le coco est bon. Hein. Bon, on goûte le gazon okay. Ou le citron. Eh ben, sans plus. Ready. 1, 2, 3. Allez, les filles. Gazon. Je fais un fouillet. J'hésitais entre cheval et cheval. Tu l'as dit. Eh ben, c'est pas dégueu. Ouais, le gazon. Fred, vous faites. Et sinon, c'est pas. Oh, ça, c'est du à vomir, c'est dommage, hein, après un bon repas. Ouais, c'est ça, ouais. Santé. 1, 2, 3. Ah, ça sent le spray de moufette. Alors, on ne peut plus commencer la moufette. T'as le droit de. Allez, on va faire sentir. Ah, bah oui, c'est de la moufette, hein. T'as le droit de cracher. J'espère que tu vas faire ton copain la veine. Chaussettes sales ou tutti frutti. Crevé, c'est chaussettes sales. Tu l'as déjà. Non, je sais pas si c'est hier. Moi, je t'accompagne. 1, 2, 3.
petit fruity. Ah, bien joué. Joli. 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 Ordonné. Ouah, dur. Ou à quoi? Ah, tout à l'heure. Santé. C'est très bon. Ah, quand j'ai entendu vociférer, je me suis ouais. Marrée. Ordonné. À la dignité avec laquelle elle dit ça. C'est pas la quoi? C'est marrant, la crotte de nez. Coucou. Re-coucou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? C'était une super soirée, on a rigolé. On a passé une soirée géniale. On a parlé de tout, de rien. On a super bien mangé des légumes du jardin, ouais. C'était super bon. Ah, on a été accueillis comme des princesses. C'était... Oh, on a bien rigolé. Et puis bon, on a fait le petit Jelly Belly Challenge. Oui, un grand moment. Ah, c'était trop trop bien, on a passé une journée géniale. Donc là on reprend la route, on sera à la maison dans deux petites heures si tout va bien. Il est 22h55, comme quoi on a passé une bonne soirée, on a pas mis le temps fini quoi. Grave. À part il est presque 23h. Donc on vous fait des bisous, on vous dit à tout à l'heure. Coucou. Re-coucou. Il est 1h du matin et on vient d'arriver à Chantilly. Donc on vous souhaite la bonne nuit, pas? On est bien cassé, mais ouais. C'était une super journée. On rentre avec plein de souvenirs dans la tête. Grave, c'était vraiment génial. Ouais. On remercie encore du fond du cœur Marine et ses parents pour leur accueil. Ouais. On espère que le vlog vous a plu. Ah oui, puis on vous retrouve bientôt avec un nouveau vlog en plus parce que la semaine prochaine, c'est le week-end. C'est nos fans Perrine et Maïna qui viennent nous voir suite à notre concours pour les 1000 abonnés. Donc on a carrément hâte aussi. Ça va être énorme. Une tuerie, grave. Merci Marine et merci à tes parents. Ouais. Gros bisous à tous. Bonne nuit et à bientôt. À très vite. Bisous. Bisous.